monde, j'espère que toi, là, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va bof bof. Hein. Ça va bof bof. Je pense que tu as dû voir mon haul action qui sortira avant cette vidéo-là. Ou après, je sais plus, soit avant, soit après. En tout cas, je t'explique que depuis hier, je suis malade, complètement malade. Oui, je suis malade depuis hier. Hier, j'ai cru que j'allais avoir de la fièvre. Par contre, j'ai un mal de gorge, pas possible. J'ai un mal de tête, pas possible. Merci Dani, hein, qui a été malade toute la semaine dernière. On a fait un test, il s'est avéré négatif. Hein. C'est juste un coup de froid qu'il a chopé, une bonne vieille grosse angine. Et bah voilà, comme d'habitude, quand il y a un enfant qui est malade, bah Paula essuie derrière, et c'est le cas. Là, il va déjà beaucoup mieux, hein, il tousse encore un petit peu, mais ça va. Par contre, moi, je ne tousse pas pour le moment, je touche du bois, mais c'est la gorge et la tête. Bref, on se retrouve aujourd'hui, les loulous, pour un haul Jiffy. J'ai été hier à Action, donc je vous ai tourné le haul Action, et comme mon Jiffy était derrière, je me cherchais deux bouteilles en verre. J'en ai vu chez Action, mais c'était des petites, et moi, je voulais des grandes de au moins 1 litre, ou pratiquement 1 litre. Il n'y en avait pas et je savais qu'il y en avait chez Jiffy, donc j'ai été à Jiffy et comment vous dire que bah, j'ai acheté pas que les bouteilles. Donc, je vais vous montrer ça maintenant de suite. Donc, les loulous, on commence tout de suite par ça. Donc ça, c'est un petit truc, vous savez, une cloche pour le micro-ondes. Il y avait plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en blanc, donc ça, c'est pas cher hein, chez Jiffy. Je l'ai payé 3 euros, remarque, pour une cloche quand même en plastique. Bref, 3 euros. Vous savez, elles sont très très bien. Celle que j'ai, elle était comme ça. Je l'avais aussi achetée chez Jiffy il y a très longtemps. Et elle se plie. Comme ça, vous pouvez glisser ça n'importe où. Ça prend pas de place. Et voilà, parce que la mienne, elle a fait déjà la guerre de 100 ans. Il y a déjà un trou. Je sais pas ce que le chéri l'a fabriqué ou les enfants ont fabriqué. Bref. Donc voilà, une petite cloche pour le micro-ondes. Ensuite, j'ai pris alors de nouveau des rangements couverts. Vous allez me dire, mais Paula, elle est à fond dans les rangements couverts. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'en ai pris deux. Voilà. Et là, je suis un petit peu floue. Je suis un petit peu floue. Je suis un petit peu floue. Voilà. J'en ai pris deux. Allez, voilà. Tout simplement, pourquoi? Donc, ils sont en bois et puis sur le côté, c'est en noir. Voilà, j'aurais préféré que ce soit tout en bois, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on ne voit pas sur le côté. Vous savez que la dernière fois, je vous ai présenté un rangement couvert que j'avais acheté chez Action qui s'ouvre. Et je vous ai dit que j'allais mettre mes capsules, mes dosettes de café. Et en fait, il y a le tiroir qui est juste en dessous où je vais mettre, comme j'achète souvent pour les enfants et tout, même le chéri, il aime bien. Moi, j'aime un petit peu moins, mais le chéri, les enfants, ils kiffent. Vous savez, les petites barres style Mars, Kit Kat, Snickers, Bounty, etc. Et en fait, bah, je vais les mettre là-dedans. Voilà, tout rangé comme ça. Là, je vais mettre par exemple les Snickers, là les Mars, etc., etc., etc. Voilà. Et en général, j'achète souvent des mini. Après, s'ils sont en long, je vais les mettre comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits Twix que j'ai dit à Angie, viens, on en prend. Vous kiffez ça, allez hop, c'est pas très cher, je trouve. Bref, il y en a 10. J'ai pris des petits Bounty parce que le chéri kiffe ça et moi aussi. Voilà, des petits Bounty comme ça, mini. Je suis tombée dessus, j'ai craqué. J'ai craqué. Ceci. Regardez. Alors, est-ce que vous voyez bien avec l'éclairage? Voilà. Un petit sans-bon pour la voiture de la marque Yankee Candle. Je trouve ça trop mignon. Et en fait, il y avait plusieurs senteurs, il y avait cannelle et je sais pas trop quoi. Et moi, j'ai pris coton, vous savez, senteur linge frais. Est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai l'impression d'être un petit peu floue. Donc voilà, je l'ai pris. C'était à côté des caisses pour accrocher au petit rétroviseur de la marque Yankee Candle. J'ai pris ça parce que j'en avais plus, je tombais dessus. Enfin, il m'en reste plus qu'un. C'est des petits gratte-gratte, vous savez, pour nettoyer les poils, etc. Bref. C'est des ponges grattantes, vous en avez 6 à l'intérieur, ça. Donc à Action, il y en avait, mais elles étaient beaucoup plus petites, moi je voulais vraiment des grandes. Donc ça va être pour mettre mon eau de Javel, alors je mettrai une étiquette, bien entendu, hein, qu'on ne se trompe pas et que les enfants n'aillent pas croire que c'est de l'eau. Et ici, je mettrai une étiquette pour le vinaigre blanc. Voilà, donc eau de Javel, vinaigre blanc, et je vais mettre tout ça
à côté de tout ce qui est lessive ou voilà, je vais essayer de trouver une place. En tout cas, je suis trop contente. Je les ai trouvées. En plus, on a la même dans le frigo où on a de l'eau. Nickel, c'est le chéri. Une fois, il avait acheté à grands frais un truc limonade à la fraise, je sais pas trop quoi. C'était dans une bouteille en verre comme ça, la même que ça. Et du coup, je l'ai lavé, je l'ai gardé. Donc là, j'étais trop contente de les trouver. Benji, du coup, s'est pris un petit masque comme ça de la marque Biphase. Voilà, j'espère que vous verrez bien. De la marque Biphase. Donc, c'est un masque haute concentration d'actifs rénovateurs, hydratants, pour un effet flash éclat. Et moi, j'ai pris ces petites étagères-là. Alors, je vais vous mettre ça à l'endroit. C'est des petites étagères comme ça. Donc, vous en avez trois de différentes longueurs, une grande, une moyenne, une petite, pour mettre au-dessus de mon bureau. Voilà, pour mettre des petites décos, des petits trucs comme ça. Donc, vous voyez, ça rend comme ça à peu près. Voilà, avec la lumière, j'essaye de voir si vous voyez bien. Donc voilà, ça rend comme ça. Donc voilà, un lot de petites étagères. Bah écoutez, ma foi, les loulous, ce haul Jiffy est enfin terminé. Oui, mais ne pleurez pas, je reviens très très vite et en meilleure forme parce que là, on dirait que je commence à avoir de la fièvre. Sur ce, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez un Jiffy et si vous kiffez le Jiffy. Oui, je sais, c'est pas donné à Jiffy. Lors de ma dernière vidéo, vous êtes beaucoup pareil à m'avoir dit que Jiffy, c'était pas donné. Après, y aller de temps en temps ou y aller vraiment parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut à Action, parce que c'est vrai que moi, mon Action, il est juste à côté de Jiffy. Ils sont collés en fait, les deux magasins sont collés. Donc moi, je voulais impérativement me trouver ces bouteilles et c'est vrai qu'à Action, ils en avaient. Enfin, dans mon Action en tout cas, mais c'est des 500 ml, je crois, 1 demi-litre. Et moi, je voulais vraiment des très très grandes. Et je savais qu'à Jiffy, ils en avaient. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée. Et puis, bah après, bah vous me connaissez, les loulous. J'ai vu les étagères, j'ai vu les rangements couverts. Et puis ça, là, le petit Yankee Candle. Bah écoutez, j'ai foncé. Donc, sur ce, les loulous, dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos petites nouveautés que vous avez dégotées chez Jiffy. Si vous êtes récemment parti là-bas faire des petites emplettes. Dites-moi tout ça, parce que je suis curieuse. Parce que vous savez toujours que je vous réponds. Oui, vous savez toujours. Des fois, je mets 2-3 jours à vous répondre, mais je finis toujours par vous répondre. Parce que pour moi, c'est un véritable plaisir. Et sans vous, la chaîne Paulatina n'existerait pas. Vous êtes vraiment des amours. Ça y est, on a passé le cap des 13 000 abonnés. Comment vous dire que je suis choquée. Merci à tous les nouveaux abonnés, à toutes les nouvelles personnes qui viennent récemment de rejoindre la chaîne. Soyez tous et toutes le ou la bienvenue. J'espère que la chaîne continuera à vous plaire. Je tenais également, parce que je trouve que je ne le fais pas assez, je tiens également à remercier tous mes abonnés qui sont là pour certains depuis le début, pour d'autres qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Je tenais également à vous remercier tous et toutes d'être toujours là en commentaire parce que je sais que des fois, on a notre petite vie aussi à côté, on n'a pas forcément le temps de laisser un petit commentaire et je tenais vraiment à remercier tous les gens qui prennent au moins quelques minutes de leur temps pour me laisser un petit mot sous mes vidéos parce que vous savez très bien que moi, vous lire, c'est un véritable plaisir, un véritable bonheur. Vous savez que je vous réponds tout le temps et pour moi, cet échange-là est très important parce que YouTube, si vous voulez, YouTube, pour moi, c'est poster des vidéos, mais c'est pas que poster des vidéos. Vous voyez, là, je suis toute seule dans ma chambre, mais je sais que derrière un écran, il y a 13 000 personnes qui potentiellement me regardent, qui sont là à liker, qui, pour certains, commentent. Je tenais également à remercier tous les gens qui me suivent dans l'ombre, c'est-à-dire des gens qui sont toujours là à regarder mes vidéos, qui sont toujours là au rendez-vous à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort sur la chaîne. Qui laisse toujours un petit pouce mais qui ne commente pas tout le temps, voire jamais. Je sais que vous êtes là, je sais que vous m'encouragez à travers votre écran. Donc je tenais également à vous remercier tous et toutes. Et n'hésitez pas, même le fait de faire un petit coucou, pour moi ça me fait énormément plaisir. Et comme vous le savez, comme vous pouvez le constater sous chacune de mes vidéos, je réponds tout le temps. S'il y a des commentaires où je n'ai pas répondu, c'est vraiment parce que c'est un commentaire qui a sauté, que j'ai pas vu ou quoi que ce soit. Mais sachez qu'en général, je réponds toujours, toujours, toujours. Sur ce, je vous embrasse très fort, les loulous. Je vous remercie énormément d'être là. Je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux. Je vous remercie énormément pour tous les mots que vous me dites sous chacune de mes vidéos. C'est là, ça me fait du bien.
c'est dans mon cœur et vous êtes tous dans mon cœur. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis, bah, quant à toi là qui me regardes et quant à moi, bah, écoute, je te fais de très gros bisous et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.